Bienvenue dans la base de données de l'Alliance. Requête d'informations classifiées. Connexion sécurisée en cours. Connexion sécurisée confirmée. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Avertissement, données corrompues. Veuillez reconstituer votre profil. Confirmez votre historique prémilitaire. Confirmez votre profil psychologique. Confirmez votre spécialisation militaire. Confirmez votre identification faciale. Reconstitution de profil terminée. Identification confirmée. Et Shepard, c'est une stellaire, non? Elle a passé toute sa vie dans l'espace. Ses deux parents étaient dans l'armée. Elle a ça dans le sang. Elle a fait ses preuves pendant le raid en repoussant seule l'ennemi jusqu'à l'arrivée des renforts. Si Elysium existe encore, c'est uniquement grâce à elle. Son courage ne fait aucun doute. L'humanité a besoin de héros. On ne trouvera pas mieux que Shepard. Je vais prendre ma décision. Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Commandant. Oh.
Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. On a le feu vert. Début de la phase d'approche. Passage du relais dans 3, 2, 1. Propulseur OK, navigation OK, puits thermique interne activé, système opérationnel, déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal, votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça? Tu parles d'un compliment? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie. Et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le Conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Ça suffit. Vous êtes des soldats. Comportez-vous comme tels. Désolé, commandant. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite. Vous avez entendu, commandant? J'y vais. Vous avez remarqué que le capitaine a toujours l'air de mauvais poil? Seulement quand il te parle, Joker. Le capitaine vous attend dans la salle des transmissions, commandant. Mais si, je viens de le voir. Il avait une de ses démarches comme s'il était en mission. C'est un spectre, ils sont toujours... Félicitations, commandant. On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine? On dirait que vous ne faites pas confiance à notre hôte turien. Désolé, commandant. Je discutais seulement avec Adams en bas aux machines. Je ne voulais déranger personne. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette mission. Tout l'équipage le sent. Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose? Si tout ce qu'on a à faire, c'est tester le système furtif, pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission? Sans parler de Nihlus. Les spectres sont des espions d'élite. Qu'est-ce qu'un espion turien viendrait faire dans un vol d'essai? Ça ne colle pas. J'essaierai d'obtenir des réponses quand je le verrai. Bonne chance, commandant. J'ai grandi sur Eden Prime, Doc. Les spectres qui viennent ici le font pas par plaisir. À mon avis, Nihlus non. À votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime? Moi, je veux de l'action, de la vraie! J'espère sincèrement que vous plaisantez, caporal. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie. Seul un fou ou un idiot recherche les combats, caporal. Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Abordez cette mission comme une mission normale et tout ira bien. Je vous fais confiance. Facile à dire pour quelqu'un comme vous. Vous avez fait vos preuves pendant le raid. Tout le monde sait de quoi vous êtes capable. Cette mission, c'est la chance de ma vie. C'est l'occasion de prouver ce que je vaux. Oubliez un peu vos rêves de gloire, caporal. On a un boulot à faire. Ne faites rien de stupide qui pourrait tout gâcher. Vous en faites pas, chef. Je serai à la hauteur. Le capitaine m'attend. Au revoir, commandant.
Commandant Shepard, vous êtes seul? Tant mieux, je dois vous parler. Me parler de quoi? Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. Je suis un soldat, pas un touriste. Eden Prime est bien plus qu'une simple destination touristique, Shepard, et vous le savez. C'est un symbole pour tout votre peuple, un monde paradisiaque aux frontières de votre territoire. Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je l'avais déjà compris. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Quel est le colis, capitaine? Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise, d'origine protéenne. Je croyais que les protéens avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Il faut s'attendre à des ennuis? Toujours. Ce n'est pas tout, Shepard. Nihlus n'est pas seulement là pour la balise. Il est aussi venu vous évaluer. Que se passe-t-il, capitaine? L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les Spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. Vous avez repoussé seul un assaut ennemi pendant le raid. Un courage et un talent comme les vôtres, c'est plutôt rare. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les Spectres. Pourquoi un Turien voudrait-il faire entrer un humain parmi les Spectres? Tous les Turiens ne sont pas hostiles aux humains. Certains d'entre nous voient tout le potentiel de votre espèce. Vous avez beaucoup à offrir à la galaxie et aux Spectres. Nous sommes un groupe d'élite et il est rare de trouver un individu de votre talent. Je me fiche pas mal que vous soyez humaine, Shepard, tant que vous avez les compétences nécessaires. Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tous, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelque temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nihlus vous accompagnera en tant qu'observateur. J'attends vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Quel problème, Joker? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. À terre! Envahis notre position. Je répète. Nous sommes attaqués. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière, arrêt à 38.5. Situation? Nous sommes à 17 minutes, capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système.
Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenko et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Activation du système furtif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine ? L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Vélus, vous venez avec nous ? Je travaille mieux en solo. Nilus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. Ça ne me coûte pas trop de mettre ma vie entre les mains d'un Turien, capitaine. Nilus veut faire de vous un spectre. Et il veut retrouver la balise. Il est de notre côté. On le couvrira, capitaine. Shepard, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement Beta. Périmètre du vaisseau sécurisé, commandant. Ils n'y sont pas, les deux mains mortes. Restez sur vos gardes, commandant. Ça grouille d'ennemis.